Je m'appelle Arnaud, j'ai 34 ans, ça fait 2 ans que j'exerce en médecine générale et j'utilise le logiciel Doctolib depuis environ 1 an. L'installation du logiciel s'est extrêmement bien passée. À vrai dire, je m'en rappelle même plus tellement ça a été vite. Et quand j'ai un remplaçant qui vient au cabinet, il faut compter une vingtaine de minutes pour lui montrer le fonctionnement du logiciel. La prise en main se fait très bien. J'ai été contacté par l'équipe de Doctolib pour être bêta-testeur l'année dernière et j'ai pu voir sur toute cette période les différents progrès, la mise en place des différents modules. Je dois bien avouer que c'est une vraie satisfaction à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonction qui est mise en place. La co-construction entre Doctolib et nous, les médecins, c'est quelque chose de fondamental parce que ça nous permet d'avoir un logiciel qui est vraiment fait pour nous. Tout est pensé dans les moindres détails, chaque médecin va apporter son idée. Ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement efficace qui nous corresponde, qui nous fasse gagner du temps, qui soit facile à utiliser, instinctif, intuitif. Vous allez pouvoir venir vous installer ici. Il y a une chose que je trouve très intéressante dans le logiciel notamment, c'est tout ce qui est la gestion des modèles, que ce soit pour faire des ordonnances, pour faire des courriers ou des prescriptions de radiologie, on peut tout enregistrer en modèle. L'enregistrement est extrêmement simple parce que ça se fait en 2 clics au cours d'une consultation. Ensuite, une fois que tout ça s'est enregistré, à la consultation suivante, on n'a plus qu'à rechercher notre modèle et la prescription se fait en 2 clics. Les patients sont très contents du versant agenda de Doctolib et le petit plus avec le logiciel médical, c'est le partage de documents, que ce soit en téléconsultation ou en consultation physique. Je me verrais plus revenir sur un autre logiciel parce que le fait d'utiliser Doctolib, c'est un vrai gain de temps au sein de chaque consultation et ça permet d'être pleinement concentré sur notre patient.